Alors, on m'a dit, c'est vraiment dommage que les vidéos, elles soient que sur Instagram parce qu'il y a des gens à qui j'aimerais envoyer, ils n'ont pas Instagram. En fait, j'ai envie de dire, s'ils n'ont pas Instagram, tu leur envoies pas. C'est peut-être qu'ils ont juste pas envie d'avoir Instagram. Du coup, après, on m'a dit, ce serait mieux sur YouTube. Il y a plus de gens qui vont sur YouTube et tout ça. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de les mettre sur YouTube. Mais pour que vous sachiez, moi, je les ai toutes effacées, les vidéos. J'ai pas d'espace sur mon téléphone. Des fois, je veux en faire une et j'ai pas d'espace. Faut que j'en publie une pour l'effacer, pour en refaire une. Du coup, je vais essayer de les mettre quelques-unes sur YouTube, mais en même temps. Je me disais le mieux du mieux. Quand on a envie d'aider quelqu'un, c'est pas de lui envoyer une vidéo. On a un besoin fou de relation. Donc le mieux, si vraiment vous voulez aider quelqu'un, peut-être c'est de lui partager directement ce qui vous a touché. J'ai l'impression que ce sera plus efficace que de balancer juste une vidéo. Après, je peux me tromper, hein. Bon, c'est super long de récupérer mes vidéos pour les mettre sur YouTube, donc je sais pas quand ce sera fait, mais j'ai l'impression que le mieux... C'est se parler directement au lieu de juste transférer une vidéo. On a compris, Priscille.